Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Terrace, et oui, Terrace est une map que je ne vous ai pas encore montrée sur Call of Duty Advanced Warfare sur la PS4. Et donc nous voici donc en train de choisir simplement une arme, donc ça c'est une des armes les plus puissantes qu'il y ait donc dans Call of Duty, dans ce nouveau Call of Duty, la balle 27 qui a une grosse cadence, qui a une tir assez puissant. J'ai l'impression que dernièrement elle a eu un petit patch parce que je la sens un petit peu moins puissante, mais bon, en tout cas on va essayer de faire un bon gameplay donc avec cette arme, c'est-à-dire cette fois-ci ce n'est plus la balle, j'ai dû la changer entre temps, c'est la KF5, la mitraillette, donc une SMG, et c'est parti. Donc alors l'SMG, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une map qui est quand même très étroite, il y a beaucoup de petites cachettes, etc. Nous sommes en mêlée générale, donc la AMG vous permet d'être beaucoup plus maniable, d'être beaucoup plus rapide et d'avoir une bonne cadence de tir. Donc vous allez voir, ça va être assez efficace. En tout cas, on commence là, on y va, c'est parti, c'est la guerre. Donc là, vous avez vu, là je vais être en full rush, hein, je cours beaucoup. Là je vais rater là, mais je le rate complètement parce que j'ai voulu tirer à travers la verrière et ça n'a pas du tout fonctionné. Les balles n'ont pas traversé, contrairement à d'autres jeux où les balles traversent, comme en Black Ops, etc. Voilà, c'est parti. Vous avez vu, ça a une grosse cadence. Hein. Alors lui il va m'avoir, bien sûr. Il m'attendait. Il m'a pris. Pareil, je me fais avoir. Rassurez-vous, je vais me reprendre. Allez. On cherche, vous avez vu là c'est très rapide, tac tac tac. Il envoie beaucoup de balles, cette arme envoie beaucoup de balles. Elle a un chargeur de 40, contrairement aux 30 des fusils d'assaut. Regardez, lui il court. On le tue derrière, pas de problème. Alors en plus, comme c'est une petite map, bien sûr vous avez beaucoup de monde, donc les mecs sont souvent régulièrement derrière vous sur le côté. Des fois vous les voyez pas, vous tirez sur un adversaire et boum, vous en avez un qui vous tue. Alors lui contrôlait un drone d'assaut, je pense. Vous avez vu, on m'appelle le rabat-joie. Alors là, ça va un tout petit peu mieux, bien que j'aurais pu l'avoir plus rapidement, j'ai un peu raté. Mais grâce au côté tactique de ma manette, j'ai pu esquiver. Lui, il est en train de s'amuser. On l'achève, donc tuer 50 ennemis après avoir récupéré des munitions en utilisant pillard. Oui, j'ai pillard. Ça me permet de récupérer des munitions à chaque fois que je tue un mec. Et comme ça, je ne serai pas en manque de munitions si tout se passe bien. Allez. On vadrouille, on vadrouille. Ah, je l'ai vu qu'il y avait un mec derrière moi. Balle tête, en pleine tête, vous avez vu, quand en me relevant, pleine tête. Headshot, ça fait du bien. Pareil, vous avez vu, des fois je retourne sur moi-même, je regarde derrière moi. Parce que je sais que bon, voilà, ça se passe souvent derrière vous. C'est une habitude à prendre, toujours regarder derrière soi, voir ce qui se passe. Ah, magnifique celui-là. Et putain, il était bien placé pour m'avoir. C'est fou qu'il m'ait pas eu. Il m'a touché, mais il m'a pas tué. Comme on dit, le roseau ne se casse pas. Il se plie, mais il ne se casse pas. Ah, je sais pas ce qui m'a pris. Vous avez vu? J'étais en train de. Bah, j'ai demandé mon drone d'assaut en place, quoi. J'en ai tué un. Et voilà, je suis mort entre temps. Allez. Attention, il y a un mec invisible. Tac. C'est ça qui est bien aussi, hein, c'est que dans ce jeu, c'est quand même les choses sont assez équilibrées. Alors effectivement, je vais vous dire, oui, le mec invisible, c'est un peu chiant à tuer. Et si vous observez bien, si vous êtes observateur, le mec invisible, vous le voyez, surtout s'il bouge. Que s'il bouge par rapport à l'environnement, vous verrez qu'il y a quelque chose. S'il ne bouge pas, vous le verrez aussi, mais bon, faut accorder un petit peu plus d'attention quand même. Et donc j'ai des mecs un peu partout, vous avez vu, donc je les achève à chaque fois. Allez. C'est vraiment un régal de jouer à ce jeu. Et c'est bien pour ça que pour la première fois, je fais autant de vidéos Call of Duty. Parce que franchement, c'est pas du tout mon truc, vu que j'ai pas du tout le niveau. Mais voilà, je me dis, le jeu est très beau. Il y a des choses à voir, que ce soit du gameplay ou simplement d'environnement. Donc je me dis, pourquoi pas montrer à ceux qu'ils aiment bien ce type de jeu. Voilà, faut voir quoi. S'ils n'ont pas encore eu, s'ils l'ont à Noël, s'ils l'ont, je ne sais pas quand. Regardez comme c'est beau ça aussi. Oh, ça dort. Alors voilà, je vous dis pour tous ceux qui n'ont pas tout de suite, c'est des petites vidéos, j'espère qu'elles leur font bien plaisir. Allez, on continue. En haut, j'ai vu du monde. Non, oui, non, il préfère être dans la chambre. Voilà, là c'est bon, le travail il est fait. Oh, dommage, 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 dommage. Derrière, 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 derrière les mecs. Attention lui, qu'est-ce qui se passe? Qui se sauve, je sais pas où il va, mais il y va. Hein. Et voilà, il disparaît. Il est là. Et j'ai pas le temps de le tuer, ça, c'est très frustrant. Alors.
attention d'avoir le voit. Ouf, juste quand on tire au pigeon, genre qu'il démarre. Attention, il y en a un autre juste devant moi qui vient de se décoller là. Oh là 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 là, magnifique, magnifique, magnifique. On en voit bien là. Les balles, ça part bien. C'est précis. Là, j'essaie de monter. Bon, je peux pas monter, mais ça m'aide. Voilà. Allez, bonne série que je fais là. Ça fait plaisir. Grenade qui pète. Attention, je regarde s'il n'y a pas un adversaire qui arrive. Et voilà. Ah, dommage, je l'ai raté. Je me dis, moi, je l'ai raté. Comment j'ai pu rater ça? Vous voyez, des fois, c'est ça. Vous passez complètement à côté. Vous comprenez pas pourquoi. Oula, j'ai touché encore en plus là. Allez. Et là, j'étais bon. Il est déjà blessé. Je l'achève. Allez. Donc là, c'est soda. Sauna. Tac, tac, tac. On va dans le sauna là. Il fait chaud là. La fumée. Attention, c'est magnifique cette petite piscine là. Design. Mais je vois qu'il y a un mec qui est là. Boum, je le tue. Je lui envoie un autre. Boum. Dommage, c'est pas moi qui tue le deuxième. Mais je sais qu'il y en a un troisième sur la droite là. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Eh non, malheureusement. Et le voici. Voilà. Laborieux, mais j'ai fini par l'avoir. Ah, donc je débloque en plus un drone d'assaut. Attention, il y a du monde là-bas. Encore du monde. Je débloque une tourelle télécommandée. Ah, c'est un bon gameplay, ça, quand même. Hein. Attention, j'envoie. J'essaie de faire l'assaut. Tac, je prends un peu d'altitude. Je cherche une victime, je cherche une cible. Vais-je la trouver? Trouver. Oh, trouver, j'envoie. Et boum. Magnifique. Alors, j'ai jamais dit attention. Oh là là, ça fait mal. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo de gameplay donc de Call of Duty Advanced Warfare vous plaise. Enfin, je sais que c'est pas dans mes habitudes. Donc peut-être que parmi vous il y avait des demandeurs. D'autres non, pas du tout. Ça vous embête presque plus, pas plus que ça. Mais bon voilà, des vidéos Call of Duty c'est peut-être pas votre truc. Je le comprends, mais rassurez-vous, je reviendrai aux sources. Rassurez-vous. Petite tourelle, je me régale. Quand je dis reviendrai aux sources, c'est que prochainement il va y avoir Abu Dhabi en Formule 1. Il y aura un peu de moto que je vais vous faire. Je vais vous faire d'autres choses. Hein. On va revenir aussi un petit peu au moteur. Tout simplement. Allez. On continue. Alors bien sûr, n'oubliez pas, dès demain, j'ai Far Cry et GTA carré, donc je vais vous faire des vidéos aussi, hein, de ces deux-là. Voilà, s'il y a du déballage à faire, je ferai du déballage. Attention, il est où le mec? Il est où le mec? Il est là, allez, on y va. Boum, 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 allez. Suivant, c'est pour les mecs. Là, je suis genre dans une frénésie, là. Allez, faut lâcher les balles, là. Faut lâcher. Faut pas hésiter, les mecs. Le mec un peu dingue, quoi. Allez, allez, allez. Physique, le mec. Allez, on y va, c'est parti. Là. Le mental, il faut du mental, là. Allez. Faut bien finir la partie. Attention, il y a un mec qui essaie de m'avoir. Tac, je lui envoie une petite truc. Mais non, malheureusement, il avait trop avancé. Je l'ai mal lancé. Je l'ai touché, mais je ne l'ai pas tué. Voilà, toujours à la recherche d'adversaires. Allez, attention, j'en trouve un. J'aurais pas dû tirer parce que je me fais repérer sinon. Lui, il m'a pas vu. Tant mieux. Il a fait un petit dash sur le côté. Vous avez vu, il a disparu de ma visée. C'est très bien fait. Hop, je passe au-dessus. Et du cadavre. Je ramasse des balles. Attention, vous avez vu, je l'avais pas vu. Il était couché par terre, le snipe. Enfin, c'était pas un sniper, je crois. Mais bon, il était couché par terre, en tout cas. Et voilà, je continue. Drone ennemi au-dessus. C'est pas mal du tout. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est pas mal. Au début, j'étais un peu mal parti. Là, je me suis bien rattrapé. J'envoie ma petite... voilà, touche personne. Malheureusement. Là, je touche. Là, je touche pas. Je touche aussi, mais je ne tue pas, malheureusement. Ça, c'est très frustrant aussi. Ah là, c'est dur, là, il y a du mec un peu partout. Je suis à 28-14, donc c'est quand même un très beau score pour moi. En tout cas, c'est un très beau score. C'est très rare pour moi de faire ce type de score, bien que là, en ce moment, ça devient un peu plus régulier, mais bon. Ça va sûrement passer. Attention, vous avez vu, là, j'ai tiré quand même pas mal à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. Salut, attention à la killcam. Bye.